Bonjour à tous, bienvenue sur palom.org. Eh bien, cette semaine, j'ai reçu un coup de fil un petit peu bizarre. Lundi dernier, je reçois un coup de fil, une dame au téléphone, cette dame me dit « Est-ce que vous vendez des palombes ?» C'est la première fois qu'on me demande ça. Alors, après échange et discussion, j'ai bien compris que c'était quelqu'un qui travaillait pour un volailler et qui voulait récupérer des palombes à la saison pour les revendre dans les restaurants. Bon, moi, c'est pas mon éthique. Déjà, les palombes qu'on attrape au filet, on les relâche tout de suite. Donc, on fait du no-kill. Et les palombes que l'on prélève au fusil, on les garde pour notre consommation personnelle et on les mange. Alors, après, j'entends aussi que pour certains palomailles qui ont un super poste où elles viennent toutes seules et que les retraites sont petites et que ça peut faire un complément, ça, je l'entends. Mais dans l'éthique de la chasse, je trouve ça un petit peu moyen. Même s'il y en a qui le font, hein, ça, voilà. Donc aujourd'hui, nous, on ne vend pas de palombes. C'était ni aujourd'hui, ni par le passé, ni demain. Et celles que l'on prélève au fusil, ben, je préfère les donner à mes invités plutôt que de les vendre. Voilà, je ne vois pas l'intérêt de vendre des palombes. Ça ne participe pas aux bonnes choses de la chasse, à mon avis. Maintenant, chacun fait ce qui lui plaît comme il le veut. Mais ici, la vente de palombes, ce n'est pas dans mon éthique. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt sur palombes.org. Merci de votre écoute.